mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est Fraga, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait, oh. Donc aujourd'hui je voulais te parler d'une petite vidéo qui m'escagas, une expression qui nous vient de Marseille, quoi, sur le A7. Non, je déconne, j'arrive. Non, voilà, tu vois, je voulais vous parler d'un petit truc qui me tenait vraiment à cœur. Donc à cœur, t'as compris le jeu de mots. Bref, franchement, c'est un truc qui me touche, mais d'un côté, le gars, j'arrive à le tuer. Mais bon, je peux rien faire, tu vois, je suis pas un tueur, je suis pas un truc, une personne mauvaise, tu vois. Les gens comme ça, faut les rafaler, là, je te le dis, faut les rafaler. Non, franchement, je vais vous expliquer pourquoi je suis dans cet état-là. En fait, j'ai vu sur Facebook, c'est une ancienne pote, parce que voilà, bref, c'est une personne que je connaissais qui l'avait partagé. Alors en fait, si vous voulez, c'est un père de famille, comme ça, il joue aux jeux vidéo, je sais pas, il joue à Call of Duty, je sais pas quoi il jouait, et il a pété un câble, il est allé voir son gone, donc en gros son fils, parce que je crois qu'à Lyon ça se dit gone, fils, oh le gone, qu'est-ce que tu fais, ou Mino, je sais pas comment tu veux l'appeler, et du coup, bah, il est allé voir son fils de 7 mois, je précise, c'est encore un bébé, un nourrisson, et il lui a mis des coups de poing, des coups de poing, dans le thorax. Non mais franchement, faut être fou, faut être taré. T'as quoi là? Attends. Ah, il y en a moins là que là. Ouais, là, tu vois, t'as un crâne. Bon, là t'as de la peau, t'as tes cheveux. Là t'as de la peau, tu vois, t'as ton crâne. Et dans ton crâne, normalement, t'as ce qui s'appelle un cerveau. Tu vois ce que c'est un cerveau? C'est ce qui te sert à réfléchir tout ça. Je crois qu'il y a des personnes, en fait, dès qu'ils sont à la naissance, tu vois. Dès qu'ils sont nés, je pense qu'on leur a entaillé le crâne et le cerveau, on l'a enlevé, je pense, parce que là, c'est pas possible. Comment tu peux tuer un gosse? Comment tu peux tuer un gosse? Il est tout mignon et tout, il pleure, peut-être il a faim. Peut-être il avait faim, son fils, peut-être il avait mal dormi, peut-être il avait fait un cauchemar, je sais pas, peut-être il a, peut-être sa couche, elle était pleine. Et du coup, il l'a tué. Mec, si tu veux pas de gosse, t'en fais pas, je sais pas, tu... Je comprends pas. Je comprends pas. Il a fait un enfant pour le tuer. C'est bravo, hein, franchement. Bravo. Franchement, y a rien à dire. Tu vas finir en tôle et tu vas croupir ta vie en tôle. Belle vie. Franchement, il aura eu une longue vie. Enfin, comme dit Maître Gibbs. Il aura eu une belle vie. Franchement, passionnant. Hein. Mais bon, je pense qu'en prison, il va se faire agarayo hagar. Il va se faire agar, hein, je pense, parce que. Apparemment, il y a des gens en prison qui n'aiment pas qu'on touche aux enfants, donc bon, voilà quoi. Je dis peut-être des conneries, tu vois, parce que je suis jamais allé en prison et j'espère jamais y aller un jour. Mais bon, voilà, tu vois, c'est un truc que je pourrais pas tolérer, faut être trop tourné, tu vois, ta cervelle, elle est même pas là, elle est partie. Je pense qu'elle est partie faire la raclette chez Jawad, hein. Ah non, mais parce qu'il y avait une raclette chez Jawad, tu y es pas allé. Je me disais aussi, je t'ai pas vu danser là. Putain, et la raclette, gros, ouais, la raclette, c'est pour nourrir le bide. Putain, il t'y est pas allé, bon. Je te le dis, moi, la raclette, c'était pète sa mère. Non, mais franchement, sans déconner, on arrête de dire des conneries. Non, moi, ça m'énerve, les gens comme ça, parce qu'après, regarde. Écoute-moi, arrête. Écoute-moi deux secondes. Écoute-moi. On est d'accord, le mec, il a fait un truc dégueulasse. Il a tué son fils, ça, c'est horrible. C'est la pire des choses qu'on puisse entendre. Enfin, une des pires, parce qu'il y a des trucs encore plus pires, mais ça, c'est déjà dur, tu vois. Mais, en plus de ça, le truc... C'est qu'après les médias et toutes les personnes qui, mentalement, selon moi, sont un petit peu en dessous, on va dire, vont dire « Attends, c'est la faute des jeux vidéo ? Ça vous rappelle pas quelque chose, ça ? Ça vous rappelle pas une certaine personne sur Canal+, qui critiquait PewDiePie ? Tout ça parce qu'il fait plus d'auditions de vues, hein, d'auditions carrément, que lui, il a plus de vues, il gagne plus d'argent. » Mais il travaille dur derrière lui. C'est une passion. Les jeux vidéo. Tu vois, le truc, c'est qu'on est critiqué parce qu'on voit beaucoup de mauvaises choses. Et du coup, on rattache beaucoup ça aux jeux vidéo. Comme le terrorisme, tu vois. Genre, je sais plus si c'était quelle interview. C'est sur France 2, je crois. Il disait, oui, la personne était capable de s'enfermer 2 jours en jouant aux jeux vidéo. What? Il est où le problème, là? Attends, moi aussi je peux m'enfermer une semaine sans lâcher ma Xbox One et c'est pas pour ça que je vais aller rafaler des gens, hein, sans aucun prétexte. Hein. Faut arrêter de dire des conneries. Un petit peu, tu vois, à un moment, il faut se dire qu'il y a des personnes qui ont des passions.
Et c'est parce que, à un moment dans leur vie, il y arrivait un truc assez dur à supporter. Et c'est pour ça qu'elles ont dû prendre une passion. Parce que c'est pas toi, petit. C'est pas toi, petit connard de l'État, qui va aller aider cette personne qui a souffert. Même si elle a failli finir à la rue, toi, tu t'en bats les couilles, tu gagnes pas mal de thunes. Même toi qui passes à la télé, tu t'en bats les couilles, t'as pas mal de thunes, t'es posé. C'est pas toi qui va nous aider à nous sortir de la merde. Alors, nous, on joue aux jeux vidéo, mais toi, tu fais quoi? Ah oui, attends, excuse-moi, Maréchal Le Pen. À poil, c'est vrai, c'est mieux, hein, excuse-moi. C'est mieux, hein, on va rien dire. On va pas dire ce qu'elle fait, hein, mais voilà, tu vois, c'est. Non, franchement, je dirais, mais les gens comme ça. Il y a des gens qui salissent les religions, il y a des gens qui salissent tout. Il y en a de partout. Il y a les bons et les mauvais. Les mauvais, il faut les rafaler, et les bons, faut les garder. Ou alors tu les dégages, les mauvais. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Il y a des bonnes personnes et des mauvaises. T'en as de partout. T'en as sur Xbox, t'en as sur la Play, t'en as à la télé, t'en as dans le sport, t'en as de partout dans les jeux vidéo. T'en as de partout. Il n'y a pas que des bonnes personnes. C'est ça qu'il faut que tu te dises. C'est qu'il n'y a pas que des bonnes personnes. Mais les bonnes personnes, il faut les encourager. Les monter vers le haut, mes gros. Tu vois? Ils vont encore dire que oui, les jeux vidéo, vous avez vu, c'est mauvais, hein, parce que la preuve, il a tapé son fils, il l'a tué, hein. On se rabaissera pas à ton niveau, mon pote. Parce que certes, il a fait quelque chose de mal. Mais on reste des êtres humains. Je suis désolé, mais il y a des gens qui jouent aux jeux vidéo vraiment souvent, comme moi par exemple, et on est normaux. Je vois pas où est le problème, enfin, je sais pas. Je sais pas ce qu'on a fait de mal, enfin. Je sais pas ce qu'on vous a fait. Je sais pas ce qui attise votre haine envers les jeux vidéo. Mais franchement, ça devient grave. Ça devient grave. Moi, on me dit. En gros, tout à l'heure, on m'a dit quoi? On m'a dit. Ah bah tiens, regarde, les jeux vidéo, c'est pas violent. Un petit peu de te faire enculer là! Non mais putain, mais on est où là? Oh, c'est pas tout le monde qui est comme ça. C'est pas tout le monde qui va aller tuer son gosse parce qu'il a perdu une partie ou sa connexion elle est merdique. Alors oui, ça te fait péter un câble quand tu joues en jeu en multi. Mais gros, tu changes de jeu, ça va mieux après. Tu te défoules sur ton jeu, t'as le droit. Moi je me défoule sur mes jeux vidéo avec mes potes, on pète des câbles sur des parties. Mon petit frère, il crie H24, ma mère elle est derrière, elle crie tout le temps. Mais c'est pas pour ça que je vais aller le castagner, gros. Hein, gros? Tu vois ce que je veux dire? C'est pas pour ça que je vais le taper. Hein, gros? Oh, faut arrêter tes conneries, là. Non, mais n'importe quoi, mon petit frère, quand il gueule comme ça et tout. Soit je lui dis d'arrêter, bon, je lui dis un petit peu sévèrement, ok. Je lui dis, bon, tu vas la fermer, parce que il me saoule, tu vois. Je lui dis, arrête, voilà, tu vois. Je pète un câble, ok. Mais je vais pas aller le taper, tu vois, je vais pas aller le battre jusqu'à la mort. Je suis pas comme ça, moi. Ou alors si, voilà, si vraiment il insulte ou quoi, il est puni, il est privé de goûter. Bon, c'est ça, tu vois. Tu vas pas aller frapper ton gosse, là. Oh. Les gens qui font ça veut dire qu'ils sont. C'est même. Pff, je sais pas comment vous qualifiez ces personnes, mais c'est même pas des. C'est des gens, ils salissent les jeux vidéo. Qui salissent carrément l'humanité, même, je dirais même l'humanité, parce que franchement, tuer un nourrisson de 7 mois, c'est horrible. Comment tu peux envisager ça, mon gars? Comment tu peux, dans ta tête, envisager ça? C'est pas possible, hein. Tu peux pas. Tu peux pas. Les gosses, même si tes gosses, ils t'énervent, s'il y a des parents qui regardent mes vidéos, ils vont comprendre ce que je veux dire. Je suis pas parent, mais j'ai un petit frère, je sais que c'est pénible. Ton gosse, à des moments, t'as envie de le tuer, mais c'est façon de parler, tu vois, tu le feras jamais. Parce que t'aimes ton gosse, tu vois. Tu vas jamais le tuer, tu dis ça parce que t'es énervé, c'est l'énervement. Mais tu te défoules sur un jeu vidéo et après ça va mieux. Tu vois ce que je veux te dire? Ou tu sais pas, ça dépend de ce que t'aimes faire, mais après je sais pas, tu vas te défouler, tu vas courir, tu vas frapper dans des sacs de sable, tu vas soulever de la fonte, je sais pas, tu vas faire de la cuisine. Voilà, tu te défoules dans une autre chose que ton gosse, tu vas pas aller le défoncer parce que t'as perdu une partie. Je sais pas, c'est. De toute façon, le gars. Le game va finir en taule et puis voilà comment ça va se finir. Voilà. Franchement, belle mentalité. Hein. Aller tuer un enfant de 7 mois. N'importe quoi, mon pote. Franchement, c'est n'importe quoi. Oh, mon pote, il y a des gens, ils font ça, mais. Enfin, je comprends pas. Les voisins, ils étaient où?
Je sais pas si c'est un voisin qui l'a dénoncé, mais. Attends, mais. Je sais pas, moi, quand tu. Je sais pas, je comprends pas. Quand t'entends quelqu'un gueuler, tu vas voir ce qui se passe. T'essaies de t'informer, tu vois. Je sais pas, de toute façon, les gens, c'est ça, en 2016, maintenant. Tu peux te faire violer en plein milieu de l'autoroute, en plein milieu de la A7. Et franchement, il y aura personne qui va venir t'aider. Personne ne va venir t'aider. Les gens, ils vont te regarder, ils vont filmer comme ça. La bonne mentalité, franchement, je vous félicite. Je vous félicite, hein, franchement, on va aller loin. On va aller loin. Si personne s'entraide, qu'est-ce qu'elle est devenue la génération? Qu'est-ce que tes parents ils t'apprennent? Je dis pas que c'est tout le monde pareil, mais tes parents ils t'ont appris quoi, mon gars? Ils t'ont pas élevé, c'est pas possible, t'as pas eu de parents. Pour aller tuer un gamin de 7 mois, t'as pas eu de parents. Je sais pas, il te manque une case. Je dirais même qu'il manque le cerveau, il est parti à la retraite chez Jawad, c'est pas possible. Ben voilà les gars, sur cette triste nouvelle en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez débattre dans les commentaires, n'hésitez pas. Ce que vous pensez-vous de ce genre de personne? Voilà. Franchement, n'hésitez pas, lâchez-vous, c'est fait pour ça. Je sais qu'il y a une petite personne qui va signaler mes vidéos, mais t'inquiète pas. Je suis toujours là, je suis passionné de jeux vidéo, les jeux vidéo ils sont dans mon cœur comme je l'ai dit. Je vais pas me rabaisser à toi. C'est toi qui vas en avoir marre de voir ma gueule sur YouTube, sur les réseaux sociaux, t'inquiète pas, tu vas péter un câble. Donc voilà les gars, en tout cas pour les vrais, je vous dis merci parce qu'on est plus de 400 sur ma chaîne. Et ça franchement c'est pas. Je dis pas que c'est donné à tout le monde, mais ça fait plaisir. Un jour peut-être je vous ferai peut-être un petit vlog, petit tour de ma chambre, je sais pas, on verra selon si vous me le demandez ou pas. Donc voilà les gars, n'hésitez pas, surtout à envoyer des messages, me parler, il n'y a pas de souci, je suis toujours là, vous savez très bien. Puis voilà les gars, j'espère en tout cas que pour vous tout va bien, tout ira bien, il n'y aura pas de souci, pas de santé, la bonne santé surtout, pas de souci de santé ni rien. Voilà les gars, c'était Frag, j'espère que vous y allez bien, portez-vous bien 2016, allez la vie.